Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor-O, Ekaflip Feu, Sacrieur R. Je vais me placer comment? Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Contre Ouginak, Roublard, Upper Mage, et on a des codes de 4340, 4189 et 4250. Bon, sur cette map, contre du Roublard Upper, en vrai c'est ok. J'ai plus de persos qui tapent à distance qu'en face, donc on va dire c'est légèrement à mon avantage. Hop. On va maîtrise. Flou. Contre. Je vais faire un rouage ici. Une prémo par là. Hop. Alors en face on a Pritek, Eben, Phalanster. Ok, Luginac va être archi tanky. Upper de Pou. De R ou de Pou? Ouais, de Pou, bon bah Upper de Pou. Ah. Bon, normalement contre Upper de Pou, ce qu'il faut faire c'est ne pas tilt et attendre la prochaine mise à jour, ça va dégager du jeu. Hein. Ça fait longtemps qu'ils sont conscients du problème. Ils ont dit que la seule raison pour laquelle c'était resté aussi longtemps dans le jeu c'est. Alors attendez, on va. En fait, je vais tuer personne là, c'est un peu le problème. On va juste se booster. Tac, on va au dos. On va bonne étoile. Je vais rester là. Je vais mettre un chaton ici qui va rester là également. Même qui va aller là. La seule raison pour laquelle c'est resté aussi longtemps les Upper de Pou, c'est parce que y a pas grand monde qui le jouait statistiquement sur l'ensemble des joueurs, donc ils se sont dit que c'est pas urgent, mais ça fait longtemps qu'ils savent que chez Ankama, ils en ont parlé dans les lives, Ankama Live et tout, que c'est un énorme problème, ça n'a rien à faire dans le jeu, donc ça va dégager prochaine mise à jour et ça va vraiment faire du bien de pu voir ça. Parce que c'est vraiment des combats no fun quoi, on est là, bon bah ok. Ok. C'est bien. On perd un perso par tour, ça régale. On va essayer de la jouer quand même, mais bon, voilà quoi. On va faire ça, on va faire ça. Je vais caler ça ici. Et on va faire une perfusion dans le tas. Hop. Ça va là. Ok. Je sais même pas qui est-ce que je peux taper, hein, concrètement. Alors j'ai l'impression que. Est-ce qu'il a adapté les restes parce qu'il me connaît? Il a pas mis de rester? Je sais pas, c'est pas dit du tout. Hein. Ok, il se met un milliard de runes. Bah, GG à lui. En vrai, on va essayer d'y aller sur la peur, mais bon, je vais jamais. Il est tellement tanky, je vais jamais le taper. Je vais jamais lui faire de dégâts en fait. Ok, je vais y aller comme ça. Synchro. On va essayer. J'essaie des trucs, hein, on va voir si je le focus, ça fait quelque chose. On va mettre ça comme ça. Tac. Tac. Hop. On va venir chercher ça comme ça. Je me booste pour le prochain tour. Je prends du. Je prends quelques. Oh bah j'ai un sacré qui est bien placé pour se faire fracasser, c'est bien. Bon. Pas évident, il était placé en retrait pour casser la distance. Je vais avoir la ligne de vue sur l'upper quand même, je vais pouvoir lui mettre un tour de burst. Mais j'ai peur de ne rien lui faire. Et avec les restes qu'il a, je peux absolument pas le toucher en fait. Ça c'est quand même pas de chance. Ok, ah il est haut. Ok. Bon, on va le laisser me tabasser. De toute façon, je pense que l'upper me tuera. On va juste taper un peu l'overmage pour le plaisir. Hop, il est héros. On va. En vrai. On va y aller comme ça. Flamiche. Coussiner. Coussiner. Et je me barre avec les cas. Ok. Bon, il a pris pas mal de dégâts, mais bon, ça meurt pas ce truc, évidemment. Malheureusement, j'ai pas la PO pour soigner mon sacri, ça me fait un peu de la peine.
On va mettre ça sur le Xel, ça sert à rien de toute façon. Bon, est-ce que je perds le Sacri? J'en ai un peu peur. On va voir ce que nous fait le J. Bon, pour l'instant il me tape, il m'érode, ok, ça va me booster ma pupu. Il va falloir que j'essaie d'être attentif à mon placement de fin de tour. En vrai, je vais une projection, je pense. Ou alors s'il me tacle pas... Non, non, il me tacle. Je fais projection. Je vais assaut. Ça, c'est pour les ébènes. On va taper. On va essayer... tac. Tac. On va essayer de se régénérer comme on peut. Puis je vais rester prendre l'émeraude en vrai. Ouais. Ça. Alors le problème c'est que si je m'avance là, je vais me faire fracasser tout en zone. Mais en vrai, au point où j'en suis, autant y aller. Je vais même taper mon cadran pour me régénérer. Même taper ça en fait. Je vais juste régénérer le sacré au max pour qu'il crève pas. On va voir. Ça fait une éternité que j'ai pas gagné un combat contre un upper de pouf. On va voir si j'arrive à le faire, mais j'y crois moyen. J'y crois très moyen. Là, il va pouvoir mettre des dégâts en zone à au moins deux de mes persos et clear mes invokes. Ça va être un peu chiant. J'ai pas bien pu placer de retrait. On va voir. Est-ce que je perds le sacré 3500. Enfin, là, j'ai quoi 4000 PV et quelques. 4500. Heureusement, j'ai la bonne étoile de l'Eka Flip qui me fait me régénérer un petit peu sur les déplacements, mais. Allez, 2 PA. Ok. Ouais, bon, bah, c'est super. Qui joue ensuite, c'est le Roub. Alors, j'ai plus de prévisu sur le Xel, ça, c'est un peu unlucky. Je pense que je vais devoir clair sa bombe à eau, en vrai. Je peux faire ça. On va y aller comme ça. Hop, il faut à tout prix que le Roub me mette pas trop de dégâts. Donc on va venir faire ça et le tacler. D'accord, 125 d'esquive. Moi bon, j'ai pas beaucoup de retrait, hein, c'est vrai. J'ai mal joué, j'aurais mieux fait de lui laisser le téléfrag et de lui mettre plutôt sablier, ralentissement et caler un autre... Ouais, enfin j'aurais pu faire un tour mieux que l'horloge et j'aurais pas dû lui enlever l'état téléfrag, j'en aurais profité. On va voir ce qui se passe ensuite. Je vais... J'ai un potentiel de dégâts avec avec les K-flips là, on va voir ce qu'on en fait. Bon, il a un petit peu embêté le roublard, mais il va quand même pouvoir me mettre un tour de dégâts, je pense. Là, mon Eka va peut-être pouvoir... En fait, ce serait bien que je puisse aller chercher la zone feulement. Je crois que je vais pouvoir... Ok, il retourne sur le Xel. La question là, c'est surtout, est-ce que je termine l'upper? Ce serait bien que j'ai une tromperie feu, oui, c'est le cas. Ouais, je pense que je le finis. Tac, tromperie feu, ça c'est cool. Je fais le contre-coup. Je vais m'approcher un peu en vrai, il n'y a pas de raison. Le chaton qui soigne, une fois, c'est 3 lancés par tour ou 2? 2, hein. Ça il faut bien que je l'impacte. On va se mettre là, soigner le Xel. Ok. Ah, on a perdu le l'upper. Et bah c'est vraiment pas souvent que je tank un tour de l'upper. Alors là heureusement le sacré était vraiment bien blindé. J'ai 85 répous et j'avais la bonne étoile de l'Eka Flip, ça m'a un petit peu sécurisé on va dire. On va voir ce qu'on en fait ensuite. C'est vrai que maintenant le Gina qui tacle en étant transformé comme ça, ça c'est quand même assez stylé. Maintenant je vais plutôt aller chercher les zones je pense. Je vais venir transpo, tac, assaut, double régène en zone. Le problème c'est qu'avec les boucliers je me régène pas trop du coup, ça c'est quand même chiant. Après j'avais encore le pilori que j'aurais pu utiliser mais je préfère vraiment l'utiliser en dernier recours. C'est le Xel qui va jouer ensuite. En vrai je vais me pilori je pense. Le problème c'est que...
Ah, je suis en souffrance 5, donc c'est pas débuffable. En vrai, ça peut être un call intéressant d'avoir fait ça. Je pense que c'est pas trop dégueu. Je vais peut-être... On va venir chercher du retrait, je casse son ivoire. La pétrif, elle est à 3. Je peux faire tac. Je vais clear sa grosse bombe, je pense. Tac, sinon ça va me mettre trop dans la merde. Je vais essayer de me placer pour pas me prendre des dégâts trop free, genre ici. Ok. Bon, bah écoutez, ça se passe mieux que ce que je pensais. Normalement, un peur de pouce, c'est vraiment... bah, y a pas... c'est un no match. Comme quoi, c'était peut-être une bonne idée de le all-in malgré ses 50% raise qu'il avait été 2 avec avec son sort de fou, là. Bon. Bon, j'ai quand même hâte que ça dégage du jeu, parce que je vous avouerai que c'est quand même relou de jouer contre ça, mais bon. Très bien. On s'en est sorti, apparemment. Bon, c'est pas fini, mais je vois pas trop comment il come back, là. Le sacré, ils le tueront jamais. Est-ce que j'ai besoin d'héros? Je pense qu'on va venir chercher ça. Et puis le double feulement en vrai. Hein. Ah, il m'a dépeçage. Là, j'ai les soins réduits de moitié. C'est un peu chiant. Ok. Bon, il met des bonnes claques quand même, hein. Le J, il t'a vraiment fort. Par contre, il y a de la pupu qui va sortir au bout d'un moment, ça va faire bizarre. Faut juste que je crève pas avec le sacri. Condensation, je peux toucher quelqu'un là. Ok, il choisit de se barrer. En vrai, j'ai presque envie d'aller clear ces bombes. Je pense que je vais venir tranquillement me replacer. Tac. Là, il se prend de l'ébène. Je vais lui faire. Ah, mais attendez, je lui. En vrai, je pense que je vais juste full taper. Je vais faire ça. Hop, et me régène. Ouais, la punition, quand même, était stylée là. J'avais peur de lui mettre l'ébène neutre, j'avais un doute sur l'interaction du truc, je crois que c'était de la merde. Il joue ensuite lui. Ok, je vais faire ça. Péter sa bombe pour être sûr de pas avoir de soucis. Et je vais refoutre une pétrif par ici. Bon, c'était pas optimal mon tour de sacré du coup. C'est pas grave. J'aurais pu éventuellement replacer mon cadran. Ouais, ça aurait peut-être été mieux. Bon, en même temps, je booste ma pétrif, mais elle était déjà boostée à fond. J'aurais dû replacer le cadran pour que mes deux persos prennent le boost PA, c'était pas forcément très malin ça. Bon, il a de la zone reskill là, il se régale. Bon. Je lui laisse un peu trop d'opportunités, là je fais quelques petits misplays, mais bon, je suis en 3v2, normalement le combat est plié. Ok, bon, il continue en face. Deck. Bon bah écoutez, s'il veut jouer comme ça, là ça va un peu faire durer pour rien, je comprends pas trop. Mais on peut hein, y a pas de souci. Il hein. Y a zéro souci. On va venir perception. Non, c'est pas lui. On va venir coussiner. Plutôt sur la plus grosse. Voilà, on peut jouer, hein, s'il veut qu'on joue pendant 1000 ans, on peut jouer pendant... Là, pour le coup, je comprends pas pourquoi il fait durer, c'est un peu bizarre. Ils avaient l'air cool, mais... Je sais pas ce qu'ils espèrent faire. Ah, j'avais plus de PA sur le... Ouais, j'ai pris du retrait de la rescrit sur le chaton. J'aurais mieux fait de soigner le sacri. Bon, cela dit, ça va me faire taper. J'ai un doute sur l'état de ma mutilation, est-ce que je l'avais relancé? J'ai un pacte, là, que je vais perdre, faut que je fasse gaffe à ça, quand même. Est-ce que j'ai ma mutilation? Non, hein, il fallait que je la relance. Je me disais bien que j'aurais dû la relancer au tour d'avant, j'ai eu un doute. Ok, j'ai fail mes CD de pacte et mutilation, j'aurais dû relancer les deux autour d'avant en fait, c'était un misplay. En plus de l'ébène neutre que j'ai calé, je crois. Bon, il y a des petits trucs... Ah non, non, il est... Non, non, l'ébène est bien R, ok, c'est bien ce qui me semblait, ça m'aurait surpris, mais j'ai eu l'impression que j'avais mis un ébène neutre, mais en fait pas du tout. Ok, donc là, il faut que je remutilation. Le pacte, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça se discute en vrai.
Je vais faire... Tac. Je vais recaler mon épée. Je vais me repack quand même, ouais. Hop. Hein? T'es pas censé le révéler là? Enfin, dégager son clone? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Bon, du coup, je suis un petit peu de pause là. On va venir. Est-ce que je peux le râler lui 51? En vrai, ouais, je dois pouvoir faire des trucs. Le problème, c'est que là, je suis en full mêlée. Ouais, est-ce que c'est vraiment un souci? On va venir faire ça, on va faire ça. On va faire un contre. Ça va faire une sacrée diff le contre. Je fais attention à bien prendre le chaton dedans. J'aurais peut-être mieux fait de prendre l'épée. Je vais me maîtriser, ça pourra me servir. Je vais lui caler une petite horloge. Ça devrait lui faire un peu d'effet, je pense. Je vais me mettre ici avec le Xel. Ah, je bloque peut-être la ligne de vue de mon Eka. Ouais, non, j'ai la diagonale, c'est bon. Ok, bah je sais pas pourquoi l'épée n'a pas révélé son roube. Enfin, n'a pas, en tout cas, éliminé ce double. Je comprends pas trop. Là, je comprends toujours pas pourquoi ils veulent faire durer à ce point-là. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire. J'ai 3 persos full PV, ils ont 2 persos low life. Bon, ok, là, il avance au moins. J'ai eu peur qu'ils se boostent en PM pour se barrer à l'autre bout du monde. Bon, je prends du retrait, c'est un peu chiant. Mais bon, j'ai de la tromperie feu. Pourquoi je tape aussi fort sur une tromperie terre? Alors, ça, j'en ai aucune idée. Mais j'ai un stuff feu pourtant. C'est bugué ou... Mais... Ah oui, non, d'accord, c'est le coup en PA qui était what the fuck. Ok, j'ai eu un doute, je me disais bien. Ok, la terre c'est 5 PA. Bon, je le tuais, du coup, c'est my bad. Je sais pas, je me suis mis dans la tête tromperie de PA. Alors que, évidemment, pas du tout. On va se mettre là. Ok, ok. Bon, je prends en main mes classes en même temps. Je découvre un peu mes gameplays. Je me fais la main peu à peu. Hein. C'est vraiment... Ces persos là, enfin, en tout cas, cette compo, je l'ai très très peu joué. Donc, c'est normal que j'ai des petites incertitudes sur certains sorts ou ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait ok. On va se mettre comme ça. Bon, j'avais pas grand chose à soigner. Je peux pas le faire sur moi, non. Ok, ok. Ça crie qu'il y a pas mal de PO là. C'est plus j'ai de souffrance, plus j'ai de PO sur la transpo, ça c'est intéressant. Bon, ce serait bien quand même que le roublard ne rejoue pas, mais je pense que je vais laisser le Xelor le terminer. Mmh. Ok, le contre, hein, ça je l'avais anticipé, évidemment comme il joue en mode... transformé, il se le prend à fond. Est-ce que je rush le roube? Bon, j'ai même pas besoin, je peux juste full taper en fait. Ça marche aussi. Je peux remettre une pupu. Alors je passe pas le kill, mais c'est pas loin. Ah bah si, je passe le kill, la prévisu était buggée. Ce qui veut dire que je peux ramener ça. Hop. Et bon bah écoutez, on va finir comme ça je pense. On a fait le taf. GG. Bon vraiment voilà la partie tant qu'on était en 3v3 c'était intéressant, mais j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait durer comme ça en 2v2. C'était un peu surprenant, mais bon c'est la liberté de chacun, hein. Chacun fait ce qu'il veut sur ses combats, y a rien à dire, ils sont dans leur droit, hein. y a aucun souci. Voilà, bon bah écoutez, on s'en est sorti. Pas l'habitude de gagner contre des upper de poux. J'ai trouvé qu'il a pas tapé tant que ça, ça m'a un peu surpris parce que il avait quand même beaucoup d'entités, j'ai un gameplay où je suis obligé de poser quand même beaucoup d'invoques, donc il avait pris beaucoup de runes. Bon, ouais, le Sacri, il a un petit stuff avec des répoux. J'y avais été attentif parce que je sais que c'est la plus grosse faiblesse du Sacri. Ça abosse une classe tanky de ouf, bon bah contre du de poux, tu te fais détruire comme n'importe qui, donc bon. J'avais été attentif à lui faire un stuff, j'ai 85 de répoux dessus, il était bien blindé avec la bonne étoile. Bon, moi je pense que j'ai quand même plutôt bien réagi dans l'ensemble. Bon, il y a eu quelques petits misplays par-ci par-là, mais c'est normal, c'est encore la période de reprise du PVP. Ça revient peu à peu. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.